Méditation du 6 juin. Marie, il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Marc 6, verset 31. Mes amis et moi, nous étions en vacances dans le sud de Devon, en Angleterre. Un jour, nous avons décidé de visiter la cité pittoresque de Kingsbridge pour nous promener au bord de l'estuaire et sur le vieux port. La beauté de cette région est difficile à décrire. L'eau est turquoise et les collines qui entourent l'estuaire sont d'une couleur vert intense, avec des brebis et des vaches qui y paissent tranquillement. Nous sommes tellement tombées amoureuses du lieu que nous avons décidé d'y retourner le lendemain. À notre surprise, quand nous sommes revenus, l'eau avait disparu. Les bateaux que nous avions vus flotter près du port étaient maintenant couchés sur le lit boueux. Partout où nous avions vu de l'eau turquoise était maintenant exposée la peau nue de la rivière. Ce phénomène m'a tellement surprise que j'ai décidé d'éclaircir l'affaire. Où était partie toute l'eau? Toutes les 24 heures, il y a deux cycles complets de marée, deux marées hautes et deux marées basses. À Kingsbridge, les marées sont si extrêmes que, selon l'heure de la journée, il y a des parties de l'estuaire qui se vident complètement. On apprend aux visiteurs qui louent des bateaux et des canoës pour explorer l'estuaire où aller précisément pour ne pas rester enlisé avec le changement de marée. Les locaux sont tellement habitués à la marée qu'ils planifient leurs activités en fonction du rythme naturel de marée haute et de marée basse. Comme nous vivons dans des tours et que nous utilisons la lumière artificielle, nous sommes assez déconnectés des rythmes de la nature. Nous perdons de précieuses heures de sommeil à pousser la barque, même si l'eau a déjà disparu, et nous sommes enlisés jusqu'aux genoux. Nous avons tellement à faire que nous ne pouvons pas nous accorder le luxe de nous reposer. Cependant, Jésus nous a donné un exemple différent. Dans son livre « Sabbath », Wayne Muller fait ce commentaire. Quand nous voyons Jésus se mettre à l'écart de la foule et se retirer quelque part pour se reposer, il n'est pas simplement en train de prendre un repos mérité. Il satisfait le profond besoin spirituel de consacrer du temps non seulement à la croissance et la réalisation, mais à la tranquillité et au repos. Jésus ne se reposait non pas parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il y avait sans doute d'innombrables lépreux à guérir et affamés à nourrir. Il se reposait parce qu'il comprenait le rythme de travail et de repos. Il comprenait que la marée haute et la marée basse sont absolument nécessaires. Prière, Seigneur, aide-moi à satisfaire mon besoin de repos. Quand la marée baisse et que mon énergie s'épuise, aide-moi à respecter cette limite. Je veux vivre avec un rythme de travail et de repos raisonnable et durable. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.